Est-ce que je peux vous répondre autrement, en commençant par dire que le livre part de l'idée un peu inverse, c'est-à-dire qu'au XXIe siècle, il m'a semblé important de dire qu'on ne parlait plus de la terreur de 1794 quand on employait le mot « terreur ». Donc on avait changé de sens pour parler de la terreur et pour parler des terroristes, mais qu'à cause de cela, il me semblait aussi important de revenir sur 200 ans d'histoire et d'historiographie pour arriver à comprendre comment, en août 1794, très exactement, on avait inventé le mot « terreur » pour qualifier les violences qui venaient de se dérouler et qui n'avaient pas été appelées « terreur », et surtout après, pourquoi est-ce que cette invention d'août 1794, donc un mois après la mort de Robespierre, avait été un tel succès que le mot « terreur » avait été accepté dans tout le domaine culturel, dans le monde de la philosophie avec Hegel et Maistre, puisque le mot « terreur » est explicitement cité par Hegel dans la phénoménologie de l'esprit, pour comprendre l'évolution du monde dans ses rapports au sacré et au religieux pendant tout le XIXe siècle et le XXe siècle. Donc c'est l'objet du livre, c'est la naissance du mot « terreur », comment est-ce que ça s'est raccordé aux violences qui avaient effectivement existé, et surtout, dans une deuxième partie, cette longue histoire du devenir de ce mot dans nos mémoires et dans notre culture. Et pour conclure donc sur cette interrogation, parlons-nous vraiment aujourd'hui de la terreur de 1794 quand nous disons « terreur » ? Terreur écologique, terreur totalitaire, terreur islamiste, la réponse est non. Et il me semble que ce que je décris là, c'est un monde qui n'existe plus.